Cat in the Box est un jeu de pli sans couleur prédéfinie. Les joueurs choisissent la couleur et la valeur de leur carte lors de la pause et tentent de prédire le nombre de plis qu'ils gagneront. Dans Cat in the Box, nous faisons des expériences sur des chats. Les chats sont représentés par des cartes qui vont de 1 à 9. Les couleurs et les différentes combinaisons sont amenées par le plateau de recherche. Sa configuration dépend du nombre de joueurs. Dans Cat in the Box, une manche se déroule toujours de la même manière et est constituée de 3 phases à faire dans l'ordre. La première phase consiste à mélanger et distribuer le même nombre de cartes à chaque joueur. Une fois la distribution faite, chaque joueur choisit et retire l'une de ses cartes. En sens horaire, les joueurs annoncent ensuite le nombre de plis qu'ils pensent gagner en plaçant un jeton sur le chiffre correspondant de leur plateau personnel. Vient la phase de pli. Le premier joueur choisit et pose face visible l'une des cartes de sa main. Son voisin fait de même, et ainsi de suite jusqu'à ce que chacun ait joué une carte. Lors de la pause, le joueur actif doit choisir la couleur et la valeur de sa carte, en la positionnant sur le côté correspondant de son plateau, et en plaçant un jeton sur le tableau de recherche. La couleur choisie par le premier joueur sert de référence pour le reste du pli. L'emplacement doit être vide, et le joueur doit avoir un jeton sur la zone de la couleur qu'il veut placer, sur son plateau. Le premier joueur ne peut pas non plus déclarer rouge, tant qu'un jeton ne s'y trouve pas déjà. Si un joueur déclare une couleur différente de la couleur de référence, il doit retirer son jeton de la zone correspondante à la couleur de référence sur son plateau. Si toutes les cartes sont de la même couleur, le gagnant du pli est celui qui a déclaré la plus grande valeur. Sinon, seules les cartes de la couleur de référence sont vérifiées, sauf s'il y a du rouge. Dans ce cas, seules les cartes rouges sont prises en compte. La phase prend fin lorsque les joueurs n'ont plus qu'une carte en main, ou si un paradoxe a lieu. Un paradoxe survient lorsqu'un joueur ne peut pas poser de carte. La dernière phase de la manche est une phase d'évaluation. Les joueurs marquent un point pour chaque pli remporté. Ils marquent des points bonus si leur prédiction s'est réalisée. Le tableau de recherche et les plateaux personnels sont nettoyés, les cartes remélangées, et une nouvelle manche peut commencer. La partie s'arrête lorsque chaque joueur a débuté une manche. Celui qui a le plus de points gagne. Pour conclure, Cat in the Box revisite les jeux de plis classiques grâce à une mécanique originale de choix de valeurs et de couleurs.